Fait que t'es passé juste à côté. Ben oui, mais pas le choix, tu sais. Salut les gars, je suis là pour faire votre liste de besoins techniques. Oui, on aimerait ça avoir un séchoir, s'il vous plaît. Un séchoir à cheveux? Non, un séchoir à main. Ok, il y en a un dans la salle de bain à côté du lavabo. Justement, on aimerait ça avoir un lavabo dans notre loge. Pourquoi faire? Ben, d'un coup qu'on veut se brosser les dents. Ou laver notre vaisselle. Ou jeter, je sais pas moi, la fin d'un vieux café. Ou laver, tu sais, un vêtement qui peut pas aller à la machine. Fait que faut que tu laves dans le lavabo avec un petit pain de savon, puis après ça, tu le laisses tremper, là. Ben oui, tu voudrais qu'on fasse ça où, ça? Chez vous. Justement, parlant de ça, on aimerait ça que les loges, ce soit chez nous. Ok, je pense que ça va être physiquement impossible, là. Mais mettons que vous arrivez à rendre ça physiquement possible, là. Serait-tu aussi possible d'envoyer quelqu'un faire le ménage des loges avant chaque show? Vous voulez qu'on aille nettoyer votre appartement? Ben oui, c'est bon. En fait, pas notre appartement, parce qu'on n'habite pas ensemble, mais plus nos appartements. Vous voulez que les loges, ce soit vos deux appartements en même temps? Mais non, on n'est pas câble. Ben non, en fait, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une porte magique, tu sais, qui reconnaît la personne qui passe le seuil. De sorte que, mettons que moi, je franchis le cadre de porte, ben, je me retrouve chez moi. Pis si, mettons que c'est moi qui franchis le seuil de la porte, ben, je me ramasse chez moi. Ah, ah, aussi, oui. Oh, je me demandais, avez-vous ça, des licornes? Ben non, j'en ai pas. Pis des licornes volantes? Ça, c'est une question niaiseuse, pour vrai. On sait toutes que les licornes sont toutes volantes. Pas toutes. Ben oui, toutes. Pas toutes. Ben toutes. Pas toutes. Toutes. Mais ça n'existe pas, des licornes. Ben garde. Tu prends un cheval blanc. Tu y teins la crinière en rose. Tu pognes une patte de chaise. Tu y sacs dans le front. Puis tada! Une licorne. Puis je la fais voler comment, votre licorne? Bon, regarde, ça, c'est le côté technique, hein? Puis ça donne que c'est toi la technicienne. Fait que trouve un moyen. Ok, les gars. Avez-vous une requête intelligente? Oh! On dirait que nos demandes sont trop compliquées pour madame. Ah, ouais. Écoute, princesse, hein? J'aimerais ça, on aimerait ça, avoir deux billets pour de la bière, hein? Un divan dans la loge. Oh, puis si c'est possible, hein? Un pied de micro. Sais-tu comment faire ça, un pied de micro? Hein? Sais-tu comment? Tu prends une plate de 15 livres de bench press, tu pognes une patte de chaise, t'as sac dans le milieu, puis tada! Un pied de micro. Ah, ok. Francis Papineau et Didier Lambert, nettement plus agréables sur la scène que dans leur promo. C'était quand même cute. Je crois qu'elle collectionne les thèmes.